السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. عند طلب بعض المتتبعين رايحين نشوفوا موضوع اختبار بالنسبة للمشروع الثاني، دوزيام بروجي سيكونس اون. دونك رايحين نشوفوا مع بعض لو تام انت لا فواتور لو فيكول ريبريزونت. نقرا لكم ومن بعد نروحوا للأجوبة. لا فواتور. Le véhicule représente aujourd'hui le symbole de notre époque. Il a modifié les habitudes sociales et transformé notre environnement. Le véhicule a permis à l'homme de vivre dans un horizon plus large et d'atteindre un degré d'indépendance et de liberté plus grand. L'homme peut habiter là où il désire, choisir le lieu où il veut travailler, et ce, grâce aux moyens de transport. Seulement, le véhicule n'a pas apporté que le progrès. Il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances par les excès incontrôlés de son usage, l'émission des gaz et particules provenant de la combustion des carburants, l'émission des bruits et vibrations, les atteintes à la santé. D'après M. Bernard. Rahul Asila, dans compréhension de l'écrit. Loulandek, choisis la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur parle d'une époque passée ou la présente ou la future. B. L'auteur explique, informe ou la décrit. Lis le texte puis complète le tableau suivant. On attend comme un tableau. Regardez là. Rouhou le tableau. Tableau, on a comme le thème. On a comme élément valorisant ou élément dévalorisant. Les avantages ou les inconvénients. Le véhicule est né. Alors, remplace le mot souligné par un autre mot de la, du même sens. Il a modifié nos habitudes. Il a modifié un autre mot. Du même sens, bien sûr. Nos habitudes. Choisis la bonne réponse d'après le texte. Usage signifie utilisation. Fonctionnement ou le prix. Nuisance signifie vitesse ou la trajet ou la préjudice. Excès signifie joie, souffrance ou bien dépassement. Donne un mot de la même famille que indépendance. Dans le contraire de largeur. Trouve le mot qui manque. Tableau na, comme le verbe habiter na, atoni, le nom ta ou l'adjectif. Mais à la deuxième personne du pluriel. Je conduis mes enfants et je reviens. Avec la deuxième personne du pluriel, attention. Complète. Il peut habiter là où il veut. Alors tu changes le verbe peut avec tu. Mais au présent de l'indicatif. Le véhicule a permis à l'homme de vivre dans un horizon plus large. Le verbe a permis, le passé composé, remettez-le au présent de l'indicatif. En ce qui concerne la production écrite, alors, au volant de leur voiture, certains chauffeurs se conduisent comme des fous. Non-respect du code de la route et dépassement de la vitesse exigée. Que leur conseilles-tu? Parle. D'accord? Donc, les chauffeurs ou les conducteurs de voitures bêche médirouche, excès de vitesse, yani assura, al-mufrita. Rouhou donc l'ajwiba. Idan, morro l'ilhal, Anna, A, dans ce texte, l'auteur parle d'une époque présente, car il a dit, filbdia, le véhicule représente aujourd'hui. L'expression aujourd'hui, tbin nabli, il part d'une époque présente. B. L'auteur, nana khiyarin, explique et informe. La khachra, ishrahalna, urah yatena ma'loumat kadalik. Deuxième question, lis le texte puis complète le tableau suivant. Idan, anna, le thème, la voiture ou bien le véhicule, élément valorisant, symbole de notre époque. Deuxièmement, un horizon plus large. Troisièmement, un degré de liberté plus grand. Élément dévalorisant, excès incontrôlé,
ou beaucoup de nuisances. Les avantages de véhicules, à modifier les habitudes des gens, à transformer l'environnement et l'indépendance et la liberté. Les inconvénients, émissions de gaz, émissions de bruit et atteinte de la santé. Yani shikil khatar ala siha. 3. Remplace le mot souligné par un autre du même sens. Il a modifié nos habitudes, il a changé nos habitudes. Choisis la bonne réponse d'après le texte. Usage signifie utilisation. Nuisance signifie préjudice. Excès signifie dépassement. Donne un mot de la même famille que indépendance, les lois indépendants. Sixièmement, dans le contraire de largeur. Il y en a la longueur ou la étroitesse. Septièmement, trouve le mot qui manque. Il y en a verbe, mot, adjectif. Attends, on a le verbe lihua habiter. On a le nom lihua habitation et l'adjectif habiter. Huitième question, mis à la deuxième personne du pluriel lihia vous. Je conduis mes enfants et je reviens. Vous conduisez vos enfants et vous revenez. Neuvième question, complète. Il peut habiter là où il veut. Tu peux avec X habiter là où tu veux avec X. Dixième question, mis au présent de l'indicatif. Mais au présent de l'indicatif, le véhicule a permis à l'homme de vivre dans un horizon plus large. Le véhicule permet à l'homme de vivre dans un horizon plus large. Maintenant, la production écrite. Au volant de leur voiture, certains chauffeurs se conduisent comme des fous. Non-respect du code de la route et dépassement de la vitesse exigée. Quel leur conseilles-tu? Parle. La voiture est un moyen de transport qui a transformé la vie des gens et qui les a beaucoup aidés à se déplacer. Mais le grand problème qui se pose est le nombre d'accidents survenus sur les routes et la disparition de milliers de gens à cause de l'excès de vitesse. Pour éviter ce problème, il faut penser à sa famille et diminuer la vitesse. Il faut appliquer la loi contre toute personne voulant vite, roulant vite sur les routes. إذن هذا كان بالنسبة للموضوع اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.